Hey, comment vas-tu? Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo de cette chaîne et on commence plutôt fort. En effet, comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, mais il s'agit d'une annonce et pas d'une petite. Celle-ci va tout simplement pouvoir te tenir au courant de ce qui va se passer dans les prochains mois et surtout le pourquoi j'ai décidé d'ouvrir cette nouvelle chaîne. Donc, déjà, il faut savoir que je travaille cette idée depuis un an, rien que ça. J'ai mis pas mal de temps tout simplement parce que de 1, je n'osais pas, et de deux, je gère déjà une autre chaîne YouTube avec des amis qui est spécialisée dans l'Asie. Donc certes, j'adore tout ce qui peut s'y rapporter, mais j'ai aussi pas mal d'autres passions que je souhaite te partager. D'où l'idée d'une chaîne un peu plus personnelle. Ensuite, il faut dire qu'il s'est passé énormément de choses cette année qui ont aidé tout simplement à créer Miss Bubble Dream, dont le fameux projet secret. J'ai un peu hésité et je me suis dit qu'au final, on allait faire d'une pierre deux coups, donc que j'allais tout simplement créer cette chaîne pour vous parler à la fois de ce projet mais aussi de mes passions, et que par ailleurs ça allait me tenir motivée pour continuer ce fameux projet. Et qui sait, tu réussiras sûrement à me motiver. Je compte sur toi. Donc, qu'est-ce que ce fameux projet? Eh bien, très cher toi, tiens-toi prêt. Je suis une passionnée de littérature, donc, d'aussi loin que je me souvienne, j'étais toujours avec un livre à la main. Alors oui, tu l'as peut-être compris, mais en ce moment je suis en train d'écrire un livre. Donc forcément, ça met un peu de temps à s'écrire, d'où le besoin de rester motivé. Et en plus de ça, ce livre nécessite quelques petites recherches. Donc c'est là que ça devient intéressant et surtout que ça concerne cette chaîne. Mais en effet, mon héroïne principale est amenée à voyager dans plusieurs pays d'Europe. Donc n'ayant que très peu voyagé, je ne connais pas suffisamment les différentes capitales européennes et donc l'ambiance qui peut en ressortir. Et malheureusement ou heureusement, ça dépend bien évidemment du point de vue, mais l'ambiance ne ressort pas forcément des vidéos et des photos. Il faut le vivre pour réussir à bien le comprendre. Donc, sur un coup de tête, j'ai décidé tout simplement de partir faire un petit tour d'Europe pendant mes vacances. Donc, petit point important, je suis déjà partie en Espagne, Italie et Angleterre, donc je n'irai pas pendant ce petit tour, mais peut-être plus tard. Par contre, je compte visiter pas mal de capitales européennes en une seule fois. Donc, comme tu le comprends, ce sera forcément un tour accéléré, mais ça, tu le sauras la prochaine fois, donc dans la prochaine vidéo qui arrivera assez vite. En effet, je pars le 3 août, et donc il y aura une vidéo qui va sortir peu avant, pour tout simplement préciser un peu plus ce qu'il y aura pendant ce voyage. Le point qui t'intéresse très sûrement, ce sont les voyages en eux-mêmes. Et oui, bien évidemment, je vais t'emmener avec moi pendant ce voyage. Cependant, vu que je vais pas mal bouger, je ne vais tout simplement pas emmener mon PC. Donc, toutes les vidéos vont débarquer dès la rentrée prochaine, donc en septembre. Sachant qu'il y aura pas mal de villes que je vais visiter, je pars à peu près sur une vidéo pour chaque ville, et donc ça fera à peu près une dizaine de petites vidéos, donc une petite série assez courte. Donc je verrai à quelle vitesse j'arrive à monter ces vlogs, mais pour l'instant je me suis fixé l'objectif de te sortir une vidéo par semaine pour que ces vlogs restent d'actualité. Et pourquoi pas peut-être deux vidéos par semaine. Mais pour l'instant je pense que c'est plutôt optimiste. Par contre, après cette série de vlogs, le rythme changera du tout au tout parce qu'en effet j'ai une autre chaîne à gérer en parallèle. Donc je pense qu'il y aura à peu près une à deux vidéos par mois. Enfin, pendant le mois d'août, je vais essayer de te sortir une à deux vidéos, mais ça dépendra de si j'arrive à avancer suffisamment. Sinon, si tu veux me suivre pendant mon voyage, n'hésite pas à aller me suivre tout simplement sur mon compte Instagram, donc il doit apparaître sur l'écran. Bien évidemment, pour le moment, il n'y a absolument rien, mais je compte bien commencer à me lancer. Bien, je crois que j'ai tout dit, donc j'espère que je t'ai donné envie de me suivre dans ce voyage. Et surtout, la prochaine vidéo ne saurait tarder. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, mais surtout à cliquer sur la petite cloche pour suivre mes aventures. Tu peux aussi suivre l'évolution de cette chaîne, notamment sur les réseaux sociaux qui sont Facebook, Twitter et Instagram. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, il n'y a pas encore beaucoup de choses, mais j'essaierai d'être très présente. Sur ce, bye!